Hello people, what's up? What's good? What's going on? Donc comme je vous l'avais expliqué, un de mes frères et mon papa vivent à Port-Gentil, ok? Et eux non plus ne savaient pas que je venais. Donc avec une de mes tatas, on les a convaincus simplement d'aller à l'aéroport tous les deux à la même heure, en faisant croire qu'il y avait un colis qui les attendait. Mais ils ne savaient pas que ce merveilleux colis, c'était moi. Et par la même occasion, dans ce vlog, vous verrez l'étonnement de mes nièces. Que j'aime trop, que j'aime d'amour. D'ailleurs, avec l'une d'entre elles, parce que l'autre était à son cours de théâtre, je pense, on a fait une petite vidéo, c'était trop bien. Franchement, Port-Gentil, c'est trop ma ville de cœur, quoi. À Port-Gentil, j'ai fait ma maternelle, ok. Après, j'ai déménagé dans une autre ville pour faire le primaire. Je suis revenue à Port-Gentil pour faire mon collège à Rapanda Walker. Les vrais reviennent de là-bas. Mais c'est une ville que je trouve juste trop cosy. Pour moi, c'est vraiment le Miami du Gabon, en fait, Port-Gentil. C'est le Miami du Gabon. Mais bon, après, ce n'est que mon avis. Je te laisse donc regarder ce vlog pour me donner le tien. Bien arrivé à Port-Gentil, mais il fait chaud. J'ai l'impression qu'il fait encore plus chaud qu'à Libreville. Mais en tout cas, on est bien arrivé. Oh, monsieur Mikoto, enchanté. Donc, surprise! Tu es vraiment surpris! Mais oui! Un moment t'as dit. Mais non! Moi, me fais courir. Non, mais toi, tu es dangereux, toi! Non, là, j'amène ton nom sur le gouverneur. Non, tu es dangereux. Je suis en train de chercher quelqu'un qui habite tout en blanc. C'est pas possible. Je suis en train d'habiller. Elle me dit, quelqu'un qui habite en blanc, je fais des tours, je regarde, je vois personne. Je dis, attends. Non, moi j'ai des problèmes. Donc, comme tu peux me garer, comme tu peux me garer là, je lui demande, écoute, voilà, regarde une personne qui est vraiment, tombée. Vraiment. Et j'ai donc le même coup qu'on a fait avant, il y a Jules. Vraiment. Elle se fout de nous. Hein. Elle me dit non, elle envoie un colis avec sa collègue et tout ça. Je dis, mais comment ça? C'est quoi cette histoire? Ma collègue en blanc. Vraiment, ça c'est. Donc je te souhaite de trouver ta belle dans ce temps. Je me parie, je te laisse. 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 Ça va? Oui. Donc, nous vous remercions d'être venus assister à la projection de théâtre de l'école de théâtre Les Artistes de Port-Gentil. Je pense qu'ici, tout le monde me connaît. Qui ne me connaît pas ici? Ah ouais, je ne vais pas lever la main, mais bon. Donc, je suis le maître Paul, professeur de théâtre dans plusieurs écoles. Non, là où tu me vois, là, j'ai trop hâte de commencer le cours. Au moins toi, moi je stresse de fou, hein. Vraiment la public et tout ça me met en stress. J'ai un hic là, là, j'ai bloqué. Il n'y a pas à stresser, c'est pour ça qu'on t'a inscrit. Oui, tu te sens comment? Je sens mal. Moi aussi, hein. Bonjour. 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 Alors. Ah, 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 l'enfant là, depuis là, je l'attends. Je ne sais même pas. Ça, c'est même quoi? Il parle tout le temps de quoi ici? On ne comprend jamais quelque chose ici. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, jeune homme. Ça va? Oui, ça va. Lève-toi, peut-être que tu veux t'asseoir. Viens ici, tu veux t'asseoir. Tu as construit ici. Oh.
30. Marianne? Non, maman, moi c'est Mosoko, 34 ans. Je vis du vin de palme. D'accord. Je vous présente Anne. Anne, je suis sa grande sœur. C'est bébé. Tu es dans mon vlog, papa. Dans bon? Ouais. Ah. Sur ma chaîne YouTube, ça c'est papa, Yann. Hein. Mon papa et mon autre papa. J'ai la flemme de réfléchir, de poser, pas maintenant. On apprend plus sur moi, devenir une meilleure personne. C'est mon nouveau combat, j'ai pas besoin de toi. Tu m'as demandé de choisir, mais t'es plus dans ma vie. Mais toi c'était bien, j'ai pas assez pro. Ensuite, voilà, donc là il y a les escaliers, c'est en vert. Et en quand vert. Tu marches dessus, ça fait de la musique. Ah bon? Ouais. Marche un peu. Oh poubée. Du coup là, jour de rapport gentil avec Anne et Marianne. Je suis malade, j'ai mal dormi. On est censé aller à la baie des coquillages, mais il pleut. Ouais. Il pleut. Mais bon, en ça espérant que quand on soit en route, le soleil arrive. Ouais. Après, je pense. Hein. On verra. Après aussi. La pluie, j'ai le beau temps. Amen. Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est Dieu? Non. C'est un homme comme toi. J'ai mis mon petit chapeau. On m'a donné un petit imperméable. Je suis vraiment malade, les gars. On m'a porté l'œil dès que j'ai posté que j'étais au Gabon. Je suis malade, c'est bizarre. Hein. Montrez votre soie dans l'imperméable. Le port. Ça. C'est le port de quoi ça? Ça fait comment? Pas. En tout cas, on est au port. C'est pas le port. Mais c'est comme un port? C'est un port, mais c'est pas le port. Ouais, on est dans un port. Voilà. Voilà. Pour prendre l'embarcation. Mais c'est où? C'est... Il pleuvait, là il y a le soleil. Ouais. We are happy. Regardez la vue. Là-bas, il y a une balançoire, on a fait des photos. Vous verrez sur Instagram. Donc, allez regarder mon Insta en fait. Port gentil, on prend le bateau, mais pas par là où on a pris pour venir. Tu étais content de ta journée?
Ouais. Contente de la journée. C'est incroyable. On dit merci qui? Merci papaya. Avec ma nièce, on a décidé de jouer à Devine Tête. Du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo YouTube. Hello people, what's good? Non? C'est what's up. C'est Sabrina avec Marielle. On est couronnés là, comme ouais. Vous le voyez. Bienvenue à notre couronnement. Non, je rigole, aujourd'hui, on va faire un Devine Tête. Est-ce que tu te présentes du coup qui tu es? Bah, je m'appelle Marielle. Je suis la présidente du Gabon. Ok. Cool, on va jouer à Devine Tête. Donc, ah, mais du coup, faudra pas qu'on regarde la caméra en fait. Il faudra qu'on se regarde comme ça. Déjà, j'ai des cartes. Ok. Je prends une carte, je mets sur ta tête, je prends une carte, je mets sur ta tête. Ah, ok. Ah, mais du coup, je peux voir. Oui. Ok. Attendez, je vous montre sa carte. Tourne la tête. C'est ça, sa carte. Et elle, sa carte, c'est ça. Est-ce que je suis un humain? Non. Ah, une plante? Non. C'est fait pour un truc en particulier, pour une activité. C'est comme un mode de déplacement. Ah, des bâtards roulés. Ouais. Trop forte. Un objet, c'est un objet. Bah, tu peux prendre ta carte. Je dirais oui. C'est inerte, ça ne vit pas. Elle est en sixième, elle connaît le mot inerte. Hein. Il y a des gens ici, vous ne connaissez pas le mot inerte ici. Là. Prenez exemple. La vie. Ouais. Oh. Mon père vient de m'amener à l'église parce que je vais jouer à l'église avec mon frère tout à l'heure. Et là, j'ai envie d'aller visiter mon ancien lycée. Enfin, lycée. Non, collège. J'étais là au collège. La 6e à la 3e, Raponda. Je sais pas s'ils vont me laisser rentrer avec mon téléphone. Imaginez, il me prend pour une élève et tout. Il veut me confisquer mon téléphone. Du coup, ça ressemble à ça. C'est bizarre. Avant, ici, il y avait un toit. Du coup, quand il pleuvait, quand nos parents venaient me chercher, on s'entassait tous là pour les attendre. Ça a l'air tout vide. Qu'il n'y a personne. Il y a plusieurs bâtiments. Ça, c'est le bâtiment des 6e, 5e, 4e. Ça, c'était le préau, terrain de handball. Deux terrains de foot. Ça, c'est l'administration. Ça, c'est les terminales, ce qui était là-bas. Mais wesh, le bâtiment des 3e, il a changé. Il n'était pas comme ça. Ils ont fait un deuxième étage. Incroyable. En fait, de base, c'était que le bâtiment d'en bas. Moi, je ne sais plus dans quel classe j'étais. J'étais vers le fond là-bas. C'est là-bas, genre que. Enfin, on peut appeler ça la cafétéria, mais en tout cas, c'était là-bas qu'on achetait les sandwichs à midi, à boire. À côté, là-bas, c'est les toilettes. Si je me souviens bien, c'était ça, ma classe 3e. Où on dirait la prison. Il y avait ça, mais c'était juste pour boucler. Sinon, il y a une vraie porte. Et là, je sais pas pourquoi les bancs sont comme ça. Lundi matin, pour faire monter le drapeau, pour chanter l'hymne national. Du coup, ça, c'est l'extension de l'église Saint-Louis. C'est là où j'ai fait mon caté, mais on va pas aller dans les salles là-bas. Et par là-bas, bah, du coup, c'est l'église Saint-Louis. Le mur a changé. Il est devenu décoré. Et en fait, c'était aussi ici où tout le monde attendait, genre tout le monde se regroupait à la fin des cours pour attendre que son parent vienne par là, par là, par là. Du coup, c'était là ma maternelle, Saint-Louis. Je crois que ça a changé de couleur, je vais rentrer cette fois-ci. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Ah, donc voilà à quoi ça ressemblait en primaire, je sais pas si on peut voir. Ouais. Enfin, ma maternelle, ma maternelle. Yes, I got you.
à Port-Gentil, ils m'ont permis de me chercher pour m'amener à l'aéroport. Donc là, on y va. Et voilà, c'était vraiment cool. J'espère que vous avez aimé ce vlog à Port-Gentil. Moi, je suis toujours un peu grippée, mais ça va mieux, grâce à Dieu. Donc maintenant, on retourne à Libreville pour de nouvelles aventures. Mia sara tira you finare ezele rorowa ofea omwe numba 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 ni mia mia bedu numba numbe ah manya mia na mia 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 numbe ndoa. Et du coup là on est bloqué à Port-Gentil parce qu'il pleut. Il pleut vraiment des cordes, je sais pas à quelle heure. Du coup mon voyage aura lieu. Et là j'ai trouvé un... Vous entendez le tonnerre? Et là j'ai trouvé un endroit pour brancher mon téléphone parce que j'avais plus assez de batterie.